Thank you.
Pourquoi est-ce que les gilets jaunes sont là aujourd'hui? C'est pas tant une opération politique. Le bloc frappeur est tellement bien entendu. C'est une opération, surtout, de dénonciation. Dénonciation de quoi? D'un système unique, d'un système qui fait que l'argent public, au lieu d'être pour les services publics, va dans les poches des patrons et des actionnaires. Les aides publiques aux entreprises privées, comme Carrefour, Conforama, donc, c'est 200 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu. L'aide publique aux entreprises privées se donne chaque année environ 200 milliards d'euros. Les grands groupes remplacent ces hommes astronomiques destinés à aider l'emploi après avoir pleu sur le coût du travail. Ce qui ne les empêche pas de licencier. À l'exemple de Carrefour. Carrefour a reçu 400 millions d'euros par an de CICE. Pour combien de suppressions d'emplois? 4500 suppressions. Où va cet argent? Dans les poches des actionnaires, à raison de 500 millions d'euros versés. C'est normal ça? C'est pour ça que nous sommes là, pour le dénoncer. C'est un système unique. Où est le ruissellement? C'est plus du ruissellement, c'est du flux. Et pas vers le peuple, pas vers le service public, pas vers notre bien commun, mais vers ceux qui en ont toujours plus, ils n'en ont jamais assez. Ça s'appelle du vol. Nous sommes ici pour dénoncer le vol. La théorie comme si fait évasion fiscale. C'est des centaines de milliards que les responsables narcissiques dans la mafia. Ils volent l'État et donc l'évasion fiscale se transforme en paiement. Voilà, pas la nouvelle. On sait, on a tous les noms. Merci, on arrive sur la des sangs énormes. C'est fou, c'est des salopards. Salut, le Carrefour, regarde, il a dit.
Il est pas roulé.
C'est la nôtre, mais ta dictature. On n'en veut plus, j'ai les portes et tu te la flambée devant les flics. Tu les pas marqué des gens qu'on reste pacifique. Puis quand t'es pas mis les doigts à l'envers, tu vas les faire se craquer de nez. Après, tu vas passer des fils à chance en clavier. Comme rester calme, pas sauter dessus.